Dans ce centre d'examen Immaculée Conception, l'atmosphère est inhabituelle. C'est le premier jour de l'examen. Installés dans les différentes salles, les candidats passent les épreuves orales de cet examen. C'est juste comme une composition pour moi, c'est facile. Le cèpe blanc était plus dur que ça. Si j'ai réussi le cèpe blanc, donc je réussirai le cèpe rouge. Le cèpe est important parce qu'il permet à une élève de passer au collège. Je me sens très bien. Je me suis beaucoup entraînée hier soir avec ma maman. Si je fais le CEP, je vais avoir mon premier diplôme qui va beaucoup m'aider dans ma vie. Si tu n'as pas le CEP, tu ne peux pas aller loin dans la vie. Avec 515 candidats, Immaculée Conception est sous pression. Mais pour le chef de centre, il faut veiller au bon déroulement du CEP. Les épreuves orales se déroulent bien. Il n'y a pas de fait saillant à signaler. Tous les enfants y sont. En ce qui concerne l'épreuve orale, le choix se fait au niveau du candidat. C'est le candidat lui-même qui présente la poésie ou la lecture, le texte qu'il peut lire. Cette épreuve aide l'enfant à s'exprimer. Ça lui aide aussi à développer son langage. Après les épreuves orales, mercredi, les candidats affronteront les épreuves écrites du CEP.